Le seul endroit où l'écriture m'angoisse pas trop, enfin en tout cas où c'est possible de faire avec, c'est l'écriture de scénario, parce que je sais ce qu'il y a derrière, parce que c'est la promesse d'un accomplissement à travers un tournage, avec une équipe, parce que je sais que c'est des acteurs qui vont jouer et qui vont en faire autre chose, que ça va être transformé, que ça va devenir un film. Et pour la première fois, quand j'ai écrit L'Avenir, j'ai eu le désir de travailler avec une actrice connue, et pas parce qu'elle était connue, mais parce que c'était Isabelle Huppert, une actrice pour qui j'avais une très grande admiration. Et surtout, je voyais ce qu'elle pouvait faire du rôle, l'énergie. Sophie, vous pouvez vendre 46 places. Ouais. Vous pouvez vendre 46 places. Donc. D'abord, c'est le seul film que j'ai fait, que j'ai coécrit avec mon frère, parce que j'ai pris le parti de ne pas raconter l'histoire des Daft Punk, mais de raconter celle d'un DJ qui allait devenir moins connu, même si les Daft Punk sont assez présents dans ce film, comme vous allez le voir. Mon frère m'a énormément accompagné, ainsi que les acteurs. Vous allez voir, c'est un film assez collectif. Son ressemblant.